De retour sur Top Dogs pour le quatrième BO5 de cette soirée. Bien sûr. Un TVZ. Eh oui. Pour un peu de changement. Un peu de changement, c'est maintenant pour le TVZ, effectivement, puisqu'on va avoir le premier et le seul Protoss, présent en Top Dogs à l'heure actuelle, Soul Spirit. Eh oui. Jeune pousse, arrivé dans sa première qualification Underdogs sur cette saison. Il passe le cap des Top Dogs immédiatement. Va-t-il passer la montagne, Marine Lord? Et c'est pas un cadeau que de manger Marine Lord premier round, voilé par cette chaleur, faites péter les Marcel. C'est vrai, mais j'ai remarqué à mes dépens que le Marcel n'était pas du tout un look qui fonctionnait avec moi. Alors genre, pas du tout. Moi je pense que ça ne marche pas très bien pour moi non plus. Tu peux faire un peu techno-viking, tu vois. Techno-viking, avec un Marcel, tu vois. Ouais, mais du coup, il faut quand même un minimum de swag dans le Marcel, tu vois. Genre, ouais, et puis il faut un peu solide. Enfin, tu me diras, il est torse poil, techno-viking. Mais j'imagine que dans son temps libre, il porte des Marcel. Ouais, effectivement. Effectivement, mais il fait chaud. C'est pour ça que avoir perdu quelques kilos de poils n'était pas forcément une mauvaise idée. Soul Spirit a terminé 3ème en battant Denver de la saison dernière dans le match pour la 3ème place, donc il se récolte le gros lot. Marine Lord, on va partir sur la game numéro 1 puisqu'il n'est plus si tôt, et on va être sur base du roi Sejong, mon bon TKL. Tout à fait, base du roi Sejong, on verra si on retrouve la même dynamique agressive qu'on a vu de la part des joueurs Terran sur cette map contre les joueurs Protoss. La question se pose, mais est-ce qu'elle se pose au point de... Ah, base du roi Sejong, j'ai confondu Temple Gelé et base du roi Sejong. Oui. Voilà. Ce n'est pas grave. Ça tombe bien, puisque pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble la base du roi Sejong, c'est la map qu'on est en train de jouer et on va y aller tout de suite, maintenant. En bas à droite, pour la terrannerie, sur la base du roi Sejong, Marine Lordu. Tout à fait. En haut à gauche. Tout à fait. Pour la team Gravity EU, le joueur Zerg, rouge et français, Soul Spirit. Joueur de 17 ans, donc vraiment dans l'esprit jeune pousse total. Alors il a un petit cerveau. Il est marqué Esprit. Esprit Gaming. Alors peut-être qu'il a changé d'équipe entre temps, mais en tout cas. Là, ça sent le clan des poteaux du début, tu vois. Ouais, peut-être. Et tu gardes la couleur, mais. Ça. Mais tu joues pour Gravity, quoi. Après, moi je suis juste déçu que ça s'appelle Esprit et pas Big Brain. Big Brain Gaming. Tu vois, genre. Ça veut dire on est smart, on est bon. Les Big Brains. C'est ça, Big Brains. Putain. Hein, j'avoue. Erreur. Si vous nous entendez ce soir, Esprit Gaming. Même si on remarquera que leur. Rappelez-vous, Big Brain Gamings. Après, leur logo est assez méta parce qu'en fait, c'est la base d'une ampoule, tu vois, avec un cerveau dedans. Donc tu vois, il y a de l'idée. Non, mais il y a de la prod, mec. C'est peut-être Noki qui a fait ça. Hein. Peut-être pas. Hein. Voilà. On n'est pas au courant. Que fait-il de son temps libre quand il ne mixe pas des Outloud parce qu'il a beaucoup trop chaud? Ce qu'il est d'ailleurs en train de faire pas plus tard que maintenant. Eh bien, peut-être qu'il désigne. Il a lancé un Outloud là? Ouais. Là, il y a peut-être une heure, quoi. Trop stylé. Eh bien, une fois que ce broadcast sera terminé, pendant les pubs, je ne sais pas, allez voir le bon Doc Noki en train de mixer. En général, ça envoie du pâté. Et pour animer votre soirée canicule, moi, je trouve ça pas mal. Ouais, non, clairement. Et puis, enfin, personne n'arrive à dormir très tôt avec ce genre de chaleur. Donc, quitte à attendre que le sommeil vous terrasse, autant qu'il vous terrasse avec du Outloud dans les oreilles. Après, bon, si vous êtes dans le délire électro, etc. Moi, j'avoue que... quelques minutes et puis ça me va bien, quoi. C'est au-delà de ça, je retourne sur du métal. T'es un peu un salaud de dire ça, mais bon. Bah non, c'est une question de goût, tu vois. Je reconnais la qualité du produit, très bien. Salaud. Mais ce n'est pas un produit qui vise mon démographique. Donc, ok. Tu vois, c'est comme quand tu te tapes les pubs de Tempax sur Twitch, tu vois. Attention. On est peut-être au bord de se faire sponsoriser par Always et toi tu viens foutre la merde, tu vois. Bah non, c'est juste que je suis pas visé par le démographique, tu vois. C'est pas vrai cette histoire, hein. Always investi dans l'e-sport. Tu m'as déçu, TKL. Ah bon? C'est pas grave. Très bien. C'est pas grave, j'ai beaucoup d'affection pour toi, donc... Donc ça compense. T'as un peu d'avance, quoi, mais... Mais quand même, déconne pas. C'est pas de la merde. Alors, la danse, le tango du TVZ a eu lieu devant vos yeux ébahis. Un Reaper vient
chercher des noises à des fiefés Zergling qui sont maintenant en train de s'occuper du caillou. On en parlait tout à l'heure, les protos sont tendance à ne pas vouloir le détruire alors que les Zerg le font tout le temps. Ouais, mais c'est vraiment parce que tu peux te passer de te les casser en fait, les cailloux pour le proto. Tu peux venir contourner, tu peux blink sur le low ground depuis la B1 pour aller chercher les unités, tu peux shade in depuis l'autre côté avec tes adeptes. Mmh. Enfin, t'as vraiment beaucoup d'options et limite les cailloux te font plus gagner du temps qu'autre chose. Là, ouais, tu vas te faire contest 2 carrés de minerai et un gaz, mais bon, sur the great scheme of things, c'est pas grand chose vraiment. Alright. Eh bien, ce Reaper continue son travail et va prélever un deuxième drone. Et ça, ça déjà, et si Imre était là, il vous le dirait. Là, déjà, je pense qu'il y a quelques centaines de points de MMR sur StarCraft 2 qui séparent Soul Spirit et Marine Lord, c'est normal. Et ça se ressent d'entrée de jeu. Ouais. Par le fait que ce Reaper est encore vivant, qui a tout scouté et a pris 2 drones. Et ça, c'est pas censé arriver. Ouais, et puis même cet Overlord qui est en stationnaire dans la base. C'est con, tu payes l'Overlord Speed, t'as pas besoin de le perdre. Hein. Bah ouais, y a vraiment pas besoin de le perdre. Et puis pourquoi il est dans la base à pas bouger quoi. Amid, s'il est en train de circuler, d'accord, mais bon, s'il bouge pas, c'est vraiment la crise de Reaper qui arrive une nouvelle fois. Et Marine Lord qui va craquer son adversaire, lui prendre déjà un premier drone. C'est moche là pour Soul Spirit là. C'est très très moche. 4 ouvriers détruits par une simple pression Reaper qui aurait dû être terminée à partir du moment où le Speedling. C'était complété. Et derrière, du côté de chez Marine Lord, on n'en a pas beaucoup parlé, mais oh, comme par miracle, c'est un double drop Marine avec le Steam. Tu veux dire le fameux Coca Build? Exactement. Ah mon dieu. Voilà, on y est. Il dit que seuls les maîtres du Kung Fu peuvent faire ce build. Et pourtant, l'intégralité de la scène internationale l'utilise à tous ces TVZ. Mais comment se fait-ce? Ce n'est peut-être que parce que ce build est bien trop fort, Coca a révolutionné la méta professionnelle. Bien sûr, hein. C'est lui qui l'a inventé de A à Z. Et oui. Il a fait les maths. Avec le follow-up, appelé aussi follow-up de Maru, mais ça c'est juste parce que Maru est un fan de Coca, hein, bien sûr. Évidemment. Avec ce double IB avant le troisième command center, et oh là là, j'aime déjà pas ce qui se passe dans cette game. Oui. Genre. Non mais. J'ai très 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 peur pour Soul Spirit. J'ai peur que l'écart de niveau soit un poil trop grand. Allez, qu'il me fasse mentir sur ce coup-là, il y a 6 queens avec de l'énergie, il y a des Zerglings. Allez, les Zerglings qui arrivent en surface de contact, les queens qui sont derrière, qui mettent des pins, mais elles les mettent pas forcément immédiatement au Medivac. On a fini par prendre un peu de vie sur le Medivac qui a forcé un recul, mais 14 Zerglings supplémentaires qui ont été pris pour seulement 3 marines. C'est une différence dramatique de perte pour le joueur Zerg ici qui va s'orienter sur la technologie Roach pour tenter de revenir ici. Mais le troisième drop arrive en plus, hein. Il y a une mine maintenant, ouais. TKL. Ils appellent ça une mine. Et... Il n'y a pas de creep. Ouais, non. Il n'y a que deux tumeurs qui n'existent désormais plus. La mine va se bureau dans la rampe. Et à nouveau, on va prendre le trade. Et attention, attention, la mine qui va connecter avec les marines là. Non, non. En fait, ils tuent les airlines trop vite pour que ça connecte. Non, mais c'est pas possible. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je pense que c'est Attends, vraiment ça. Je suis désolé. Hein. Non, mais il a tué. Non, il a un bureau pendant la fight et je l'avais pas vu. D'accord. Voilà. Voilà. Et du coup. Soul Spirit est en train de prendre la foudre. Et Soul Spirit est mort. Ouais, Soul Spirit est mort. Oh la vache. Et là, ça a été aller-retour directement. Hein. Oh la vache. C'est le gamin de 7 ans qui a cassé le vieux vasming de mamie et boum, ils ont pris une direct. Hein. C'est parti. Pardon, je viens de me rendre compte que je viens de faire un bac avec les viewers de... De Wardy, ouais. Je me suis dit la même chose, je me suis dit, oh putain, Wardy doit pas comprendre ce qui se passe. Ah merde, le con, le con. Mais c'est quelque chose qui arrive. Ah, le con. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, fallait que je vois. Parce que, en fait, ce move-là gagne la game, tu vois. Genre, ouais. Il est déjà très très bien dans cette partie, mais au moment où il fait ça, en fait, il assure que non seulement il écrase la fight contre les Glings, mais sa mine est toujours active et il se fait pas de friendly fire. Donc. C'est ça, donc il reste en vie, il est là, il est présent et il le défonce. Et apparemment, Born qui dit que Coca s'en bat les couilles parce qu'il a croisé Coca hier à la plage. Ah ouais? Ouais. Donc apparemment Coca qui est reparti à la plage pour son reste de vacances. Puisque bien sûr, s'il n'est pas là, c'est puisqu'il bénéficie de ses vacances. Les dernières vacances d'été qu'il peut avoir bien sûr. Puisqu'après il retourne à l'école, le petit Coca. Et bien sûr il reviendra au passage au cast. Faire du travail. Je disais à Wardy, désolé pour la petite séquence. Coca évidemment en vacances, il se met bien. Le petit salaud, bon j'y étais aussi hein, il y a encore quelques jours. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Toi? Ah non. 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 Jamais. Ah non. Devant l'éternel? Jamais. Tu prends quand tes vacances? Tu sais pas? Ah non, j'en ai aucune idée. Non, mais j'essaie d'aller me faire un Oktoberfest à Édimbourg. Alors,
Oktoberfest à Édimbourg. Ouais, il faut une édition spéciale. Alors, Minsk nous dit givre Frozen Temple. À un moment, il y a une certaine nostalgie de l'hiver chez Ogaming SC2. Alors, c'est pas de notre fait, mais quand je pense à givre, quand je pense à temple gelé, il se passe quelque chose. J'imagine un verre d'eau avec des glaçons, tu vois. Rien que ça, mec. C'est ça. Non, là, mais... tout de suite, le ice water qui te file dans n'importe quel restaurant aux États-Unis, je le prends direct, tu vois. Et je lui en demande un deuxième verre, parce que le premier, je le... comme as, tu vois. Moi, j'imagine une vallée verte d'Écosse, un peu venteuse, un peu fraîche, avec un petit torrent et des moutons. Mm-hmm. Il fait frais, on est bien, il fait bon. Mm-mm-mm. Ouais. Tu connais bien les bails Bah, l'Écosse, j'y suis allé plusieurs fois et j'aime bien. J'aime bien ce pays. Ok. Et j'ai envie d'y retourner cette année. Et, swag. Et sûrement l'année d'après. Et bien, si vous aussi et vous aimez l'Écosse, n'hésitez pas à envoyer des photos de vos vacances à TKL underscore Starcraft. Évidemment. TKL Starcraft, oui. Underscore, c'est ça? Non, pas de underscore, non. Non, TKL Starcraft sans underscore. Et à nous envoyer surtout et bien vos setups. Êtes-vous collé à votre climatisation? Avez-vous 4 ventilos à côté de vous, comme nous l'avons ici? Alors, il n'y en a qu'un seul. Hein. Mais il y en a un autre là-bas qui aère un canapé que, bien sûr, Tuda fuit, puisqu'il fait nettement moins chaud dans l'open space. Là-haut, il y a vaguement une clim, mec. C'est ça? C'est nouveau. Hein. Bah, en fait, il y a un énorme climatiseur, du coup. Je pense qu'ils n'en pouvaient plus de travailler. Ouais, je peux comprendre. Dans la chaleur. Et du coup, les commerciaux qui ont trouvé un budget. La première game était une branlée. On espère pour Soul Spirit que ça va se remettre très très vite, puisque pour l'instant, il est mené 1-0 et c'était assez rapide ainsi que brutal. Game numéro 2, c'est maintenant sur Apothéose EC. On est ce coup-ci dans la verdure. Est-ce que c'est comme tu l'imagines? C'est pas assez verdoyant. Bah, et surtout, tu sais, t'as des lianes, des arbres ça, un peu exotiques. Hein. Non, Apothéosis, il a l'air de faire chaud, clairement. Ça, je n'y crois pas dans un temps. Ça, c'est un petit tas de rhododendrons et clairement, on n'y croit pas. Hein. Ok. Ah non, pas un bon sapin là-dedans. Hein. Non. Pas d'épineux. Nul. Pourtant, on aime ça, les épineux. Bien sûr, les enfants, mangez vos épinards. Marine Lard, en bas à droite pour Millennium. Tandis qu'on parle évidemment de nutrition ce soir sur Ogaming TV. Je sais pas ce qu'il me raconte, mais... Ouais. Ça a l'air d'être une vanne, hein, mais je la comprends pas. Hein. Tandis que si Kokator, bien sûr, resub pour 21 mois d'affilée, merci à toi. Penny. Et que en haut à gauche, Big Brain Gaming, Soul Spirit. Voilà, moi j'ai rename. Hein. C'est bon. C'est Gravity. Gravity E. Mais on est sûr que c'est encore Gravity? J'en sais rien, mec, c'est toi qui m'a sorti le truc qui m'a scotché au. Ouais. Putain, mais quelle connaissance du joueur. Regarde sur Wikipédia. J'avoue. J'ai un PC devant moi. Au dernier Underdogs. Au lieu de regarder le chat avec des gens qui disent que des bêtises. Et puis avec Lardong qui me balance des puns qui ne sont absolument pas drôles. Get wrecked, Lardong. Bitch. J'ai bu un peu d'eau. Oui. Voilà. Et c'était bien. Me voilà de retour. Igni, depuis 21 mois. Merci pour ta fidélité, mon gars. Ça nous aide beaucoup. Il en faut pour payer un coiffeur à Clichy. Mais Soul Spirit n'a pas de n'est pas noté avec une équipe. Bah, il n'y a pas de page sur tout Wikipédia, donc compliqué de... Ouais, mais là, genre, il y a un logo Gravity. De... Voilà, il y a un logo Gravity. De team, espèce de balance. Gravity, eux, ils n'affichent pas Soul Spirit dans leur roster. Ah si, ok, il est là. Voilà. Mais, attends. Avec Abaddon et Raynor, un joueur terrain coréen. Inconnu au bataillon. Bah comme Rain, hein. Genre terrain coréen aussi. Pareil. Inconnu. Attends, Rain. Genre Rain, écrit pareil que Rain. Mais il est terrain, il est coréen et il est pas ouf. Ouais, mais c'est le Rain de Wizard. Pardon, désolé. T'inquiète. C'est Ziza. Ziza. Non, mais il y avait un Rain sur Wall. Peut-être. Mais tu veux pas checker? En GSL sur les premières saisons. Le Rain qui faisait des Doraks tout le temps, je l'ai inventé ce mec? Non. Korean Tana Player, Team Fnatic. Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, descend. Global StarCraft League, GSL Open Season, dans la team SCV Life. Saison 3, il a battu Genius. Codest. En 2011, il a été en Codest, mais il est éliminé en Hero 32. T'as tous ses résultats en bas. Il fait une seconde place en GSL. Il fait une deuxième place en GSL, voilà. À la Sony Ericsson, StarCraft 2 Open Season. C'est la troisième saison de la GSL, quoi. Okay. C'est genre en quelle date exact? En 2010. Ouais, c'est en décembre 2010. Tu vois, il fait une finale. Éliminé par MC. C'est ce gars-là. Et pour moi, c'était un terrain assez, assez novateur, qui utilisait souvent les double racks. C'est ça. Les marines, ainsi que les SCV. Donc voilà. Beaucoup d'innovations, effectivement, dans le play de ce joueur. Alors, maintenant que les early games se sont passés, figurez-vous, les amis,
que déjà on est très très loin de prendre une B3 pour le moment. Si ça y est, le drone qui va se mettre en position. Il y a beaucoup de Zerglings qui ont été produits par Soul Spirit et c'est ça le détail intéressant. Et Marine Lord, une fois de plus, intelligemment avec son Reaper, qui voit qu'il y a un compte de Zerglings qui est d'ores et déjà anormal. Ouais, compte de Zerglings anormal ici, du coup les Hélions qui sont envoyés directement pour pouvoir gérer ça. Là, attention sur un, non mais... Trop bon le Marine Lord pour se faire surround ici par ces quelques Zerglings. Par contre ici, peut-être pas assez bon pour gérer sur Binance. Il y a les Hélions qui sont là qui vont permettre de faire des dégâts, tandis qu'il y a des Zerglings qui sont en train de taper sur le dépôt et du coup qui vont être pris à partie par les Hélions de Marine Lord. Il a pris un Hélion. Deux Hélions. Ouais. Mais en même temps, c'est d'une... Genre cette fight, tu peux la regarder parce que je suis dézoomé deux fois. Imagine qu'il faut qu'il micro les deux trucs indépendamment quoi. Ouais, non mais bien sûr. S'il le micro pas, il perd tous ses Hélions. Hein. Mmh. Non, c'était quand même assez propre. Et au final, là, je veux dire, deux Hélions pour 12 Zerglings tués, mais surtout 16 Zerglings produits en early game Zerg. C'est-à-dire que je disais, il était loin de prendre une B3, mais il a toujours pas pris sa B3. Est-ce qu'il en est conscient sous le spirit là? Oui, il en est conscient, il est en train. Ah, quoique. Non, oh merde. Mais des sports et des évos, mec, il a oublié sa B3. Il a oublié qu'il avait l'idée de la prendre un jour dans cette game. Et ici, du coup, les dépôts qui sont terminés, il va finalement prendre sa B3, mais tellement tard. Enfin, 4 minutes 40! Une B3 Zerg. Non, c'est chaud. Enfin, je crois que j'ai pas vu un timing aussi late depuis Wings of Liberty, quoi. Genre, réellement. Hein. À part sur un fat all-in à base de roach Gling Bending, tu vois, un truc qui a du punch et qui va faire mal. Ce n'est pas du tout ce qui a été fait par Soul Spirit. Non, bah non, il a fait des Gling, quoi. Bah ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. On n'est pas dans une très très bonne situation pour notre ami Soul Spirit. Il n'est pas bien. Il a beaucoup de Zergling sur le terre-terre. 46 drones. 46 SCV à 36 drones. Et il perd ses glings sur la map. Oh ouais, c'est la crise. Hein. Oh là là, en plus les lions ont été bien huilés. Il fait beaucoup des lions, le bon Marine Lord. Ah, ici là, Soul Spirit qui pour sa première participation à la fois en Unobox et en Top Dogs tombe sur un gros caillou. Et malheureusement, le caillou fait sentir sa présence. Hein. Une épine dans le pied, une sangsue dans l'aine ici. Et clairement, Soul Spirit qui n'arrive pas à gérer autant de pression. Il a un Banning Nest, mais est-ce que ça va suffire? Oh là là. Oh là là. Puis l'absence de connexion de creep qui fait que les queens se traînent comme des limaces, justement comme des grosses sangsues et du coup galère à défendre ici. Allez, rentre dedans. Okay. Son temps de réaction qui lui coûtera 2 drones, mais cette base numéro 3 qui va être très très difficile à hold. Il y a 6 Bending, Soul Spirit, toujours dans une situation économique quasi catastrophique, mais déjà sur le point de mourir. 56 SCV contre 41 drones et beaucoup de Hellbat ici, que Marine Lord va s'empresser de splitter face au joueur Zerg Tesla HS qui pendant ce temps-là a décidé qu'il allait sub pour un bon petit Marine Lord ici en train de faire très très mal à notre jeune rookie. Les Hellbats ne tombent pas. Ouais, c'est ça, là on est clairement sur un rookie qui malheureusement s'est retrouvé face à un adversaire un petit peu trop fort. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si le joueur coréen rookie rencontrait TY immédiatement. Ça donnerait un petit peu près ça, hein. Malheureusement l'écart de niveau qui est très très important. Et Soul Spirit qui n'a pas réussi à le compenser par un choix stratégique avisé. Et malheureusement il va jouer full air Marine Lord. Il pense réellement que c'est legit. Hein. Non mais c'est legit, mais genre... Déjà que tu mets la pile à ton adversaire, en plus derrière tu pars sur full air alors que ton adversaire est en train de faire apparemment une espèce de Gling Bane. Tu vois, enfin, je souffre par anticipation pour Soul Spirit. TLG, Mimi, 13 mode resub, merci à toi. Honnêtement, il a déjà des sports dans ses bases. Bon, il a pas de sport B3 et il a une hatch très très low, mais il a des queens. Moi j'aurais eu plus peur là dans quelques instants un follow-up avec 16 marines avec le shield et le 1 d'attaque, tu vois. Ah non, mais là au lieu de gagner la game dans 30 secondes, il la gagnera dans 5 minutes quoi, mais. Tu vois, c'est là, il va vraiment y avoir une notion de « There's nothing I can do ». Le problème, c'est ça, quoi. Ouais. Bah, genre ça, en ZVT, ça fait très, 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 très mal. Non, mais de toute façon, il a juste B3 sur la gueule, quoi. Mmh. Avant même de parler des mules. Ouais. Peut-être pas. Bon, deux dépôts. On prend 3 dépôts en production pour quelques Bane. Et la prod de Banshee et de Liberator en train d'être mise en place ici par Aimlord. Et là on va chercher le Roach Warren hein, du côté de Marine Lord. Donc on va avoir plus en attaque qui pourrait bénéficier à des Hydra à terme. Mais Hydra y aura-t-il? La question est posée. Les Hélions qui vont être défendus grâce au Bending, les Liberators qui vont être nettoyés par les Queens enfin. Mais on aura quand même pris. C'est un peu dégueulasse ce qu'il vient de faire là. Hein. Marine Lord. Ouais. Ouais. À la zone. Genre les Liberators, ils ont eu le temps de traverser toute la map, ils étaient encore en shift click, ils ont fait. Il y avait 5 Queens à côté, bon. Après. Il a 76. Qu'est-ce qu'il fout, Marine Lord? Il a 76 SCV, mec. Ah, non, mais il est en train de macro, hein. Enfin,
J'ai l'impression que de manière générale, quand tu veux faire une transiste Kai quelque chose, que ce soit Zerg, Karan ou Protoss, bah avant tu fais beaucoup de tu fais beaucoup d'ouvriers, tu récoltes beaucoup, et puis après bah tu t'amuses beaucoup. Ok, on va voir. Le bataille d'Arlis qui est une bonne idée, la B4 quand même qui va être sécurisée. Je voyais pas son 4ème CC, je me suis dit attends, qu'est-ce qui branle, pourquoi il fait autant d'SCV? Il s'est oublié sur le bouton S lui aussi. Non, on a commencé à avoir des bonnes améliorations aériennes quand même, double armory, 5 starports en production, enfin 5 starports, la 4ème et la 5ème en production. Viking, Banshee, Liberator, il va falloir pas les payer le Fusion Core aussi, il a besoin de la range et de du speed Banshee. Ouais, effectivement, et pendant ce temps-là, on est allé chercher le Hydralis Den du côté de Soul Spirit, donc va chercher immédiatement à apporter les Hydras, qui va être très intéressante pour gérer les Libérateurs notamment, puisque ça va permettre une partie des Hydras de taper de manière efficace dans la fight. Maintenant, il va falloir un sérieux compte d'Hydra pour gérer tout ça, et puis il va pas falloir que ces Hydras se fassent empaler par tous ces Hélions, parce que quand tu pars sur un Sky Terran comme ça, c'est cool, mais t'as beaucoup de minerais en fait. Un peu trop, certains diraient. Et du coup, tu le dépenses en Hélion. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec tes Hélions? Eh ben, tu bourres les unités light de ton adversaire. Exactement. Pour l'instant, c'est les Zerglings qui en font les frais, mais ça pourrait bien être les Hydralisques à terme. Et on va d'ailleurs payer la flamme bleue. Hein. Je me demandais s'il allait la payer. C'est supplémentaire. On va jouer une vraie game de camp en prenant beaucoup de bases du côté de chez Marine Lord. Il s'est fait rattraper à la pop et à l'économie surtout. Mais il est en train de mettre en place une stratégie qui a beaucoup de potentiel avec le noyau de fusion qui va se terminer. Ouais, noyau de fusion qui va se terminer, qui va débloquer du coup le speed Banshee et la portée des Libérators. Ce qui forcément est un énorme boost à la flotte aérienne Terran. Ici les Hélions qui continuent de faire du dégât encore et toujours. Marine Lord présent sur tous les fronts et les flammes bleues qui vont renforcer cette flottille de petites voitures, voilà. Bon là, c'est un peu compliqué ce qu'il essaie de faire hein, quand même Marine Lord, je trouve. Run by Hélion à droite, run by Hélion à gauche, push Hélion Banshee au milieu en mid-game. Bon, ce Liberator qui a réussi à se faire oublier. Va prendre quelques drones. Allez, on réagit. Allez, 3. Ouais, la 4ème. Ah non. Ça allez, peut aussi sur le créneau. Ouais. À la sortie, tu te fais attraper. Hein. Comme à l'école. Ici. Fais-moi les thunes de ton côté. Cool pour toi, l'élémentaire, non? Non, mais j'aime bien les visions caricaturales un peu à l'américaine. La bully qui arrive pour prendre l'argent de ton déjeuner, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a assez d'hydra là? Petite dosation des lions quand même. Très tranquillement. Donnez. Sauf que non. Hein. Donnez-nous les sous d'internet, est en train de s'écrier Marine Lord alors que son adversaire essaie de trouver une percée mais n'y arrivera clairement pas ici. Il recule. Mais là en fait, cette force de Hydra Ravageur, elle est cool et elle pourrait éventuellement fuir du dégât, mais je pense vraiment que sur le long terme, il faut aspirer à plus grand hein, du côté de Soul Spirit. Il faut au minimum des Vipers en fait dans cette game. Ouais. Full Hydra, Roach, ça me dérange pas pour les. Faudrait qu'il run by un peu plus, mais s'il a pas de Viper, il va se faire empaler. Non, mais non. Un Libérator pour 3-4 Hydra. Là, il va prendre lourd. Si Marine Lord réagit, ça va faire mal. Là, il te faut le bureau. Je crois que c'est une game où t'es obligé d'avoir le bureau aussi. Aïe. Le carnage. Ça, c'est bien fait. Ouais, ça a bien bloqué fait, les Hélions, très bien pensé hein, de la part de Soul Spirit. Très bien fait, ça sauve sa ligne de minerai B2 et B3 en vrai. Hein. Et c'est ce genre de move qui montre que Soul Spirit, ouais ok, il y a un énorme écart de niveau avec Marine Lord, mais le joueur a du potentiel, c'est juste que... Ah mais il est pas là par hasard. Ah bah non, clairement, mais parfois tu sais, on peut en douter quand on voit un joueur se faire chier dessus, et non clairement, sur ce genre de move, faut pas en douter, c'est le mec sait quoi faire. C'est juste que là, bah, c'est le run de sa vie, c'est Marine Lord en face, donc il y a des moments où c'est pas forcément évident partout. Le millier de command center qui est en train de se terminer. Bon, il a toujours 42 pop d'avance. Hein. Soul Spirit? Ouais. Ouais, mais c'est pas une pop ultra quali quoi. Ouais, mais si Marine Lord est pas en place... C'est vrai. Genre là, il est pas en place quoi. Après, il y a une planétaire forteresse. Ouais, tu allez, les Libérators, ici, bon, les Lions qui vont retirer un peu plus de drones. Encore une barbecue ici, tandis que la forteresse elle-même va faire son propre taux de cuisson, mais va-t-elle avoir le temps? On a les V16 qui sont en train de réparer, les billes corrosives très bien placées, les billes corrosives qui vont les chercher tout autour de la commande de la PF. Très très bien fait ici sur cette séquence de la part de Soul Spirit. Attention à pas empaler des troupes cependant sur la retraite, mais typiquement un move tout à fait sympathique. Parce que c'est pas un des premiers moves rentables en fait de Soul Spirit depuis le début de cette game. Ah si. C'est juste ça qu'il faut mettre en valeur lumière. En fait. En lumière, effectivement. Oula, ok, à nouveau hors de position. Est-ce qu'on a quelques libérateurs pour contrôler une zone? Oui, on a 3 qui viennent de se terminer, mais sont-ils là? Ok, les tours, elles sont intelligemment placées. Oula. Ouais, j'ai peur. Les Banshees. Oh là, les Banshees qui étaient mal placés, du coup, qui ont mangé quelques billes corrosives. Ici, c'est la retraite. On pilonne pour couvrir. C'est.
C'est correct au niveau de la retraite du côté de Soulspirit, considérant l'ensemble des actions. Maintenant, on va voir si ça continue. Il se fait retirer toujours plus d'ouvriers, quasiment 50 ouvriers qui auraient été tombés pendant cette game. C'est un petit peu moche, mais comme tu le montres, Soulspirit qui a rééquilibré en termes d'income. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut avoir l'armée pour gérer celle qui arrive chez lui, 14 Hydra en production, la Spire qui peut apporter des solutions. Maintenant, est-ce que ça sera une solution suffisante à ce moment-là de la game? Est-ce que c'est pas trop peu trop tard, Funkadelic? 18 Libérator et 8 Banshee, c'est ça l'armée de Marine Lord sur ce coup-là. Et même si pendant un instant ça avait l'air d'être une bonne idée ce qu'il est en train d'essayer de proposer, Soulspirit à rentrer dans l'art avant que les Libérators soient siégés une fois que les zones de libération eût été mises. Alors là, on a eu un Soulspirit qui a appris ce que c'est que de manger des shots à, rappelle-moi combien c'est avec le plus droit d'attaque, hein, voilà. On est tout simplement à 100 dégâts. Voilà, hein, donc une bonne unité le Libérator, mais qui effectivement a fait très 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 mal ici, et bah, Soulspirit qui n'a pas pour l'instant de solution. Oh là là, les vigilants qui se font éclater, donc c'est pas excessivement grave. Les Banshees font le travail aussi. Hein. Mais voilà, pendant ce temps-là, les Banshees du coup sont camouflés et vont pouvoir du coup se faire plaisir sur les Hydraïsques. Attention, les Banshees ne sont pas camouflés. Et là, oh, est-ce qu'on s'est pas fait prendre le marteau et l'enclume du côté de Soulspirit? Tellement d'unités qui vont mourir sur la retraite ici pour le jour Zerg. Oh, c'est la crise. Hein. Cette séquence était assez dure à assister, en fait. C'était dur d'assister à cette séquence. Moi, je suis content qu'il soit plus que 22h, hein, les enfants sont plus. Parce que là, clairement, il se fait balader depuis tout à l'heure, et puis à un moment donné, il a fait « Attends, mais là, t'es bloqué ?» Attention, les bicorosifs, cependant, qui vont tomber sur un petit groupe de libérateurs, mais pas assez, malheureusement, pour les tuer. En fait, ce qui est ouf, c'est que même quand les libérateurs sont pas siégés, déjà, les 9 banshees avec le plus 3 d'attaque, elles font flipper, quand même. C'est ça. Elles font trop de dégâts, GG. Oh mon dieu! Brit Game. Ce qui va du coup nous amener à deux courtes minutes pour se remettre de nos émotions là. Il l'a planté. Ouais. Après... En heure de grande écoute. Hein. Et, planté! Et du coup, bah, on vous retrouve juste après la pause. Évidemment, pour la game 3 de Marine Lord contre Soulspirit, ça se passe très très mal pour notre rookie. Et le retour pour Top Dogs, tandis qu'on nous a donné une petite information à l'interlude, le bon Soulspirit qui serait en fait de la team Nuit Blanche. Donc, on n'a pas vérifié ces dires. Bah, je sais et pas, sur je... Wikipédia, c'est écrit ton truc. Et toi, c'est ça que tu savais. C'est ça que moi, je savais. Moi, j'ai envie de dire, mais... c'est une rumeur. Bon, après, j'ai relativement confiance. J'ai demandé gars, en plus vois. À Imre là-haut, il m'a dit ouais, je suis pas sûr. Et il me semble que c'est plus ou moins un pote de Soulspirit, Siglav. Donc il y a des chances que. D'accord. Que genre, ils disent pas de la merde pour faire chier quoi. Imre précisément m'a dit, alors je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort cette information, mais disant qu'au moment où il a joué le match, il était teamless. D'accord. Bon, ils ont joué les games il y a à peine 3 jours, donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais peut-être que. Enfin, je ne sais pas. Bah, peut-être qu'il fait un reversal kill et du coup, de par sa perf. Il y a un truc. Il s'est peut-être passé quelque chose. C'est ça. Dans tous les cas. Pour TKL, bonne continuation bien sûr. Je suppose que du coup ça nous vient d'Écosse, mais je n'ai jamais vu ce. Ouais, mais est-ce que ça fait pas forêt écossaise, tu vois? Bah ça fait forêt écossaise. Il y a aussi Tesla qui a sub tout à l'heure qui m'a dit d'arrêter de parler de l'Écosse parce que lui il y part l'été prochain et que du coup ça lui manquait beaucoup. Et ça me manque aussi. La belle Édimbourg qui me manque. C'est qui le genre de choix à côté de TKL? Bon, si, il fait chaud. Mais... Bah disons que là t'as un verre d'eau et je me demande si tu t'es pas renversé un verre d'eau sur toi avant. Non, en plus. Genre tu retires la chemise et tout, mais. Non, en plus, non. C'est comme demander ça. À Draenar, qui effectivement, on lui demandera. Bon, on s'en fout. Game numéro 3, pour l'instant, ça se passe très mal pour Soulspirit. Est-ce que réellement, on croit au comeback, là? Pas avec ce qu'il nous a montré, personnellement. Enfin, ou alors, c'est vraiment build sortie de l'espace. Genre, pour moi, déjà, mettre Marine Lord en difficulté sur une game, on sera déjà sur une marge de progression par rapport aux games précédentes. Donc, de là à prendre une map, ça, c'est un autre... Un autre débat, mais un débat auquel on va répondre avec la game qui se lance pas plus tard que maintenant. Est-ce que t'as invité Wardy? Oui, j'ai invité Wardy. Ok. Ça m'a fait peur, j'allais réenvoyer un message. Parce qu'il n'y a pas de moyen en fait de le savoir. C'est ça. En plus, on est sur Frozen Temple, les amis. Et on va faire ces introductions rapidement. TKL aura le temps de probablement boire ses 50 centilitres d'eau avant qu'on voit une chier de Reaper arriver par cet homme. Millennium Marine Lord a eu une game de la qualification pour les demi-finales. C'est ça. Tandis qu'en haut à gauche, il se bat pour sa survie. Apparemment de la team Nuit Blanche, mais peut-être de la team Gravity. Il s'agit de Soulspirit. Tu veux dire Esprit Gaming? Esprit Gaming. L'esprit de l'âme qui est chez Esprit Gaming, bien sûr. Bah oui, Soulspirit. Eh oui, eh oui. Traduction.
Et bien sûr, ne faites pas une traduction de littérale genre « âme esprit ». Non. Traduction littérale, c'est moche. Les deux Rax. Et bientôt la troisième, il la met pas dans le rôle. Ah, il fait dépôt, Rax, dépôt. C'est ça. On rappellera aussi qu'on est sur le bon côté. Ça, c'est un des trucs. Je sais plus quand est-ce que j'avais vu ça. Je crois que c'était sur Reddit. Un mec qui disait « Est-ce que ce serait pas plus balance de dire que les Terrans peuvent faire leur add-on du côté qu'ils veulent ?» Parce que tu fais ce truc-là. De l'autre côté, t'es un peu vénère parce que t'as Rax dans le truc. Tu peux pas faire un dépôt avec. Enfin, tu peux pas faire un add-on avec. Mais je suis assez d'accord. Mais il y avait aussi le même débat à une époque avec les larves des arcs qui spawnaient ouais. d'un côté d'une hatch. Et du coup, potentiellement, tu pouvais ne pas avoir certaines larves. Enfin... Du coup, ça posait problème et que sur le principe, les larves devraient spawner du côté où tu mets ton rally point. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui a été fait. Merci à SGT Xub pour ses 16 mois de resub qui nous dit bisous, bisous les amis. Et bien, bisous à toi. Et du côté de chez Soul Spirit, bon, soit il est certain que ça lui arrive, mais c'est pas la meilleure défense de tous les temps. Ça me fait chier, tu vois. Soul Spirit, tu sais qu'il va jouer Marine Lord. S'il y a bien un match où tu dois prendre par défaut le fait que le mec va te faire triple Rax Reaper, si moi je peux le savoir, il doit le savoir. Et je pense que quand t'es vraiment pas t'es pas favori dans une série, ce genre d'indication que tu peux prendre à 90% les yeux fermés, tu devrais. C'est ça, et d'ailleurs on l'a vu, hein, à la minute où l'a vu le Reaper, boum, Roach One qui était lancé et ça. Ce qu'il aurait pas pu faire avant, tu vois, genre même limite rouvrir Pull First. Pull first Ash Roche Warren. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça aurait pu être une idée, effectivement, mais... Ça blind counter le truc, quoi. Ouais, là, il prend des dégâts, en réalité. Hein. Si jamais le mec, il part sur un CC first... enfin, tu sais, t'as quand même ce doute que le mec se sent tellement supérieur à toi que... Non. C'est cette série où tu dois te dire qu'il va faire ça. Il le fait à toutes les games. C'est vrai. C'est le meilleur build sur cette map. Et Morgoth HFR qui dit « Allez la France !» Eh bien, allez la France. Très bien. Qui n'est pas le real Morgoth du coup. It's not the real Morgoth. C'est ça. Les deux premiers Roach qui sont en train de sortir pour l'instant. Marine Lord qui n'a rien perdu, qui a prélevé 7 Zerglings et un drone. Au final, on aura limité la casse jusqu'au moment où le speed se termine, puisque dans quelques instants, on va avoir des Zerglings avec des petites Zélettes, puisque apparemment, on joue avec le mod du côté de chez Soul Spirit. Ouais, il perd toujours rien quoi. Là c'est en train de coller un perfect du côté de Marine Lord. Après on va avoir un Ravageur qui va sortir. Le Ravageur c'est cool, ça a la portée pour taper sur les Reapers. Contrairement au Roach qui doit faire l'extra effort de taper sur les Reapers. Maintenant vont-ils réussir à le faire? Oh bah d'ailleurs déjà on chope un petit Reaper sur un Roach qui a été avancé par la grenade du Reaper. Donc bonne nouvelle pour Soul Spirit, mais j'ai peur que ça soit insuffisant à ce moment de la game. Il faut vraiment réussir à accumuler un compte de Ravageur suffisant. Alors le switch a lieu maintenant, c'est le moment en fait. Après avoir fait énormément cette stratégie, on voit des transitions Terran qui sont de plus en plus précises et le moment où on choisit de le faire est toujours intéressant. Marine Lord aura produit du coup 10 Reapers dans cette game et là on est déjà en train de balancer les add-ons pour Switch et on paye également un 3ème CC, donc la variante un peu greedy de ce build order quand on voit d'autres joueurs qui rajoutent genre la Rax 4ème et 5ème et qui bourrent avec beaucoup de bio. Lui il joue le 3ème CC et pour l'instant eh bien, cette bande de Reapers elle n'arrête pas d'être active. Voilà, il met un Reaper dans le rouge derrière et on va à nouveau voilà, les mines sur la rampe. Là, si ce n'est vraiment pour quelques... En plus. Voilà, un Reaper ou deux qui a été perdu un peu plus tôt, là, vraiment, la micro est parfaite. Un Reaper, voilà. Si ce n'est pour ce Reaper, la micro est vraiment parfaite du côté de Marine Lord. Et dans ces moments-là, enfin, je pense que Soul Spirit peut se sentir relativement désespéré, quoi. C'est le genre de scénario où, contre un mec réellement de son niveau, il y aurait déjà eu des erreurs, il n'y aurait pas eu des mines systématiquement bien placées, il y aurait eu des décalages un peu foireux, et il aurait pu choper des unités, le Ravageur qui sort juste à temps pour mourir, ici. Ouais, ça aurait été presque mieux en fait de que le l'œuf soit cancel. Ouais. Ça lui aurait pas coûté aussi cher et du coup bah évidemment un Soul Spirit qui peut pas avancer parce que Marine Lord beaucoup trop d'APM, beaucoup trop de map awareness, qui est toujours actif avec ses Reapers alors que derrière le build order il rigole pas. Hein. C'est ça, bah, il est en train de transitionner très rapidement et puis il va mettre une énorme pression. Il est pas supply block, il y a des unités qui sortent, le Steam est là, le 3ème CC. Aïe. Ouais, clairement là, la pression de Marine Lord est présente et malheureusement, le bon Soul Spirit qui n'est pas en âge de boire de la bière, du coup c'est forcément compliqué à l'heure actuelle, en plus encore une fois en déficit de creep au niveau de la bière, donc à chaque fois c'est pas grand chose, hein, mais vous voyez le petit ralentissement des Roach Ravageurs qui fait que la transition des Reapers est beaucoup plus rapide que ce que l'armée de Soul Spirit peut faire et là il prend tarif du coup sur la remontée de rampe, c'est juste la crise, il perd pas de Reaper en fait depuis tout à l'heure il lui faut, et je pense qu'il le sait, mais là la pression est tellement haute mise sur les épaules là ici de Marine Lord, c'est pour ça qu'il a fait une creep tumeur. C'est pour ça qu'il a fait une troisième Queen, mais il lui faut une creep tumeur qui connecte parfaitement cette zone là et abusable à souhait, et Marine Lord le fait très bien depuis tout à l'heure. Et il a même mis une creep tumeur, mais en fait il l'a mis de manière ultra timide parce qu'il avait peur de se la faire avoir, quoi. Ouais,
C'est fou, quoi. Ok, il va faire reculer l'armée pour la première fois ici, Marine Lord, mais qui a déjà suffisamment d'unités en haut de la rampe pour l'accueillir de l'autre côté. Attention, premier supply block ici. D'ailleurs, un peu loin. Non, si, ça y est, vient de s'en débarrasser. Les Reapers sont encore là au milieu, hein, dans les fourrés. Allez, hop là. Est-ce que cette map, d'ailleurs, elle a pas... Franchement, elle n'a pas progressé de l'enlèvement des Xel'Naga. C'est vrai que cette map est meilleure depuis qu'il n'y a plus Xel'Naga. Ah, elle est tellement meilleure à ce niveau-là parce que tu avais vraiment... Oh mon dieu. Bon. Il y va sans le steam. Hein. Pourquoi faire, hein. Combat shield. Je veux dire, dites non aux drogues, les enfants. Hein. C'est ce que ces marines essaient de vous transmettre. Ce sont clairement des marines d'un groupe catholique américain ici. Et ils disent non à la drogue. Acceptez Jésus en vous. Mettez-vous à genoux pour aspirer au bonheur. Ah là 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 là. Et maintenant, il y a 51 SCV. À 39 drones, NB3 posé contre la selle du joueur Zerg est à la moitié. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Alors c'est ça qui se passe quand tu tombes contre le meilleur joueur français actuel, je pense qu'on peut le dire sans trop d'hésitation. Ouais, ouais. Et ben c'est dur. C'est dur pour Soul Spirit qui démérite pas, essaye, mais ici il est complètement outclass. Hein. Bah en fait quand tu n'es qu'un gland à peine planté en terre, et bien forcément tu ne fais pas le fier devant l'ombre du chêne qui t'étouffe, te prive du soleil et ici de la victoire avec la mort de tes derniers roach jeunes glands. Ouais, c'est le 3-0, c'est dur, c'est cher payé, mais Marine Lord qui aura exécuté ses trois stratégies, qui aura montré un peu de tout. Hein. Le double drop il tue avec, le full air qui prend son temps à se dessiner mais qui se termine par un bain de sang. Ouais. Et la troisième game avec le triple Rax Tripper, 3 builds et 3 victoires. Bon bah GG nous dit Soul Spirit, ça fait 3-0. C'est dur pour Soul Spirit, on peut le comprendre un petit peu en difficulté pour tap out dans la dernière game. Parce que ça fait pas du bien de manger un truc comme ça dans les dents. Mais bon voilà, c'est l'apprentissage du plus haut niveau, je pense. C'est ça, et même le bon bah GG, c'est bon bah. De manière, c'est pas comme si je m'attendais vraiment à autre chose. Enfin, c'est le mec, tu le rencontres jamais en ladder parce qu'il est tellement plus haut. Ou alors, quand tu le rencontres, c'est qu'il est 4h30 du matin et que vous êtes les deux seuls sur serveur européen en Ligue GM à lancer un ladder. Donc, c'est un peu le moment où tu savais que t'allais te faire outclass, t'as donné ton mieux. Tu peux être déçu, mais t'as pas non plus de quoi te. Bah, tu vas pas être en train de te dire oh putain, celle-là, j'aurais dû faire ça et tout. Non, bah, ouais, non. Le mec était juste meilleur et tu peux pas y faire grand chose. En tous les cas, ce spot en top dogs veut dire que bien sûr, le bon Soul Spirit va être seed en underdogs. Ce qui veut dire qu'on le retrouvera, bien sûr, là-bas. Bien sûr, bon, on le retrouvera dans la prochaine saison. D'ailleurs, il y a des infos à vous faire passer, mais on les a pas là ce soir parce qu'on est des glands. Mais de toute manière, underdog, c'est un truc qui ne s'arrête pas. Donc, si vous êtes master ou plus et que vous parlez le français ou que vous êtes français, belge, je l'ai fait tout à l'heure, du coup, français, suisse, belge, québécois, ou québécois. Voilà, vous pouvez vous inscrire à Underdogs et bien participer et vous foutre sur la gueule pour pas mal de thunes. Top Dogs, on a maintenant les demi-finales qui sont dressées. C'est le niveau un peu supérieur avec les mecs qui ont déjà gagné et qui sont déjà bien placés dans Underdogs. Et on l'a, ce bracket. On aura une demi-finale PVP et une demi-finale TVT. C'est ça, deux double mirror en demi-finale, mais ce qui veut forcément dire une finale qui, elle, ne sera pas mirror. Donc on verra... Un peu qui de ses rivaux finalement de la scène l'emporte, parce que petit Drogo Shadowhound, t'as un petit Drogo qui commence à être un des anciens face à un Shadowhound qui arrive, donc qui est du nouveau ou de l'ancien proto de l'emporte. De l'autre côté, t'as Daishi, ancien Terran, mais avec des pauses et puis surtout des performances dans l'ensemble qui sont moins importantes que celles de Marine Lord. Mm-hmm. Marine Lord qui a repris le flambeau. Est-ce que on a le retour de l'enseignant, du sensei qui rappelle à l'élève qu'il ne sera jamais qu'un élève? Ou pas. Voilà qui clôture cette soirée Top Dogs. TKL, tu as été un co-commentateur incroyable. Oui, je sais. Dépensé à Tude, qui nous a quitté il y a quelques instants, mais qui vous fait également des bisous. Il y a des gens à qui vous voudrez faire des bisous, c'est ceux qui nous ont regardés ce soir. Mais comme aussi Mélissa. Les subs, les donateurs, les non-subs, les gens qui ont passé du bon temps à regarder du StarCraft ce soir sur Rogaming TV. On passe évidemment un énorme big up à la team de l'ombre. Hein, Cosby, qui aura alterné entre le très mauvais et le très bon ce soir. Ça. Mais ça nous change d'habitude où il alterne entre le très mauvais et le pire que mauvais. Voilà. Donc c'est bien. Et bien big up à Cosby. Peu à peu, tu es un peu moins une merde. Donc mais ça nous fait plaisir. Aussi, merci à nos partenaires. Et il y a un bandeau pour ça. Mais on peut le faire de tête. Asus Republic of Gamers en partenariat avec Intel évidemment. Allo Resto, la FNAC et G2A, bien sûr. Non, mais j'ai pas besoin que ça soit écrit. Voilà. Ah, ouf.
on s'amuse bien, évidemment. Merci à nos sponsors, merci à vous, merci à tous. On se retrouve demain pour la suite sur Eurogaming TV. Si je ne m'abuse, ça sera la GSL. Oui, les quarts de finale, bien sûr. Deux quarts de finale qui seront joués évidemment demain soir. Tout de suite, c'est les rediffs. On vous fait de gros bisous. Et n'oubliez pas, stay tuned sur la TV qui poutre. C'était Eurogaming Starcraft de ce soir. À demain. Ou allez.